Bonjour, moi je m'appelle Luc Kabil, je suis artiste peintre et j'exerce ici donc à mon atelier Kabilisme Art en cet esprit. Je ne fais pas uniquement le portrait, hein. J'ai tout étudié, donc je connais parfaitement donc, différentes techniques. Je me suis à un moment donné donc, arrêté sur le portrait parce que moi je recherche au-delà donc, de la peinture l'émotion, la sensibilité et je retrouve ça donc à travers les portraits, j'arrive à un petit peu à toucher l'âme humaine, à déceler des choses presque inaccessibles donc à l'œil. Et voilà, c'est pour ça que effectivement je suis assez donc interpellé par le portrait. Mon influence, non, je n'ai pas été influencé par des artistes locaux, pas forcément. C'est vrai que bon, j'ai étudié beaucoup donc, des peintres assez célèbres comme Rembrandt, où j'ai travaillé des choses assez pointues. Et effectivement, bon, après, j'ai recherché un peu plus l'identité picturale et donc d'aller vers un petit peu mes racines. Et voilà, donc j'ai peint toutes les scènes de vie que vous pouvez imaginer, des choses qui sont très identitaires à ma personne, tout simplement. Dans ma vie de tous les jours, donc je m'inspire de mes expériences, de mes joies, de mes douleurs, de la vie, de tout ce qui est autour de moi, tout simplement. Hein. Je fais partie donc, de mon environnement et pour moi c'est un tout. Je peins des corps humains également et donc effectivement c'est un grand plaisir de pouvoir redessiner la femme avec mon pinceau, donc de pouvoir donc lui donner donc ses formes. Je suis un créateur, donc je ne peux pas donner naissance à un enfant, je veux dire comme la femme, mais je peux peindre une femme. Et voilà, donc je redécouvre la femme à chaque fois que je peins un tableau de nu.
Ben Luc, Kabil, merci. Merci Bernard, écoute, plaisir. Ah, il n'y a pas de soucis, Kabil, on a passé un beau moment. On a passé un beau moment, c'est vrai. Voilà, donc, à la prochaine, Luc Kabil, à suivre. Okay. Merci. Donc je peins. C'est pas quoi, c'est pas quoi, bien sûr. Je t'interromps plus et du coup, j'ai des modèles vivants qui peuvent venir pour vous également pour moi. Et puis donc, voilà, donc c'est des moments de partage, tout simplement. Ouais. Ouais. Là, que... Non, mais c'est vrai. Et t'enregistres pas là. Hein. Non, j'ai un modèle donc pour pouvoir peindre donc, cette femme, puisque bon, c'est comme je te disais, donc tout c'est une question de partage, d'échange. Et de découverte, parce que bon, là, découvrir le corps de la femme, découvrir, redécouvrir le corps de la femme, c'est un véritable plaisir pour moi. Donc voilà, donc peindre un corps de femme reste un exercice qui permet donc. Et tu as des. Je ne pouvais pas. C'est pas le manuel.